cousins de Breca ont tenu parole. Aujourd'hui, ils arrivent en famille pour retrouver Emma et les enfants sur les bords de la Chalandière. Si bon matin votre visite. Allez, prenez place à mes côtés et écoutez Dame Nature se réveiller. C'est la renaissance du jour. Et avec votre visite, la promesse d'une belle journée. Tu sais, Martin, en prix de fin d'année, j'ai reçu un livre qui raconte la vie d'Anne de Bretagne. Tout le long du chemin, les nobles et les villageois de tous les environs se pressaient pour la voir passer, celle qu'ils appelaient affectueusement leur duchesse en Savoie. Après on a la houlette. Pour se lever. Qui va être, bah, c'est ce qu'il utilise en fait, qui est une sorte de bêche, pareil, bien affûtée. Et bah, on vient prendre vraiment, on vient soulever. Donc c'est ce qu'il est en train de faire la houlette. Pas encore. On est presque à la fin de la situation. Mais en gros parti, bah, on a les plantes invasives quand on a la Non, malheureusement, on n'a pas d'onguis. Alors c'est pareil, les onguis commencent à se faire. On commence à en avoir plus.